Attention, durant cette vidéo, des kills vont être réalisés. Ces derniers étant rares, des cris de bonheur incommensurables vont être poussés, pouvant ainsi donc provoquer un viol du tympan. Merci de votre compréhension. Et salut tout le monde, c'est Overdose, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Smite. Le jeu Smite, qu'est-ce que c'est? C'est un MOBA, simplement, sur la PlayStation 4. Et donc, moi étant un grand joueur de LoL, ça me fait quand même plaisir de jouer à des jeux comme ça, à défaut de pas avoir 20 balles à mettre dans Paragon pour pouvoir l'avoir. Donc bon, alors, sur LoL, moi je suis au début, donc j'étais très map 5v5, et donc bon, ça m'a vite, à la fin ça m'a un peu gavé, donc maintenant, ce que j'adore, moi, c'est la RAM. Et donc, sur Smite, il y a l'équivalent de la RAM, du aléatoire, un couloir, pas de jungle, un mode assaut, vous progressez le long d'un couloir en 5 contre 5. Alors du coup, c'est parti, on va se faire un petit, enfin une petite RAM du coup, qu'ils appellent assaut. Ok, c'est parfait. Alors, je suis niveau 5 et jusqu'à présent, le dieu que je jouais, c'était Osiris. Alors, toi, on va te faire voir, parce que le mien est quand même plus qu'il est. On dirait Talon. On dirait un petit peu Talon, vite fait. Mais, ouais, il y a un petit truc qui ressemble pas... Enfin, qui ressemble quand même... Ah, il est... Si, faut avouer, on est beau gosse, avec. Alors, j'ai quand même envie de savoir... Alors, ok, donc là... Oh, stylé! Pas mal. Et là, ok, on est en mode dark. Oh la vache, c'est trop horrible. Ouais, il y a des beaux trucs quand même, hein. Je dois vous dire que j'ai regardé pas mal de skins sur les persos, enfin sur les trois persos que j'ai joué, et franchement, c'est vraiment très bien travaillé. Ok, alors, en plus, ça tombe bien parce que vu que je l'ai jamais joué, on va relativement bien rigoler parce que. Parce que... Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas qu'est-ce que j'ai acheté. Ah ouais, d'accord, ok. Alors en plus, je dois vous dire que je quitte la fontaine sans reliques. Les reliques. J'ai énormément de mal encore parce que... hein, alors pour le début... je sais même plus quand ça correspond, ça fait un bail. Je crois que c'est le mana, ça. Bon, allez, vas-y. Eh, ça me gave. Bon. Ouais, donc je vous disais... J'ai énormément de mal parce que bon, après j'ai pas trop joué encore. Je sais même pas à quoi ils servent les sorts. Mais enfin, on va voir, hein. Je vais faire comme le copain. Bon, ça fait quoi alors si je fais ça? Oh non! Ça m'emmène directement là-bas! Aïe! Ah la vache! Oh chier, rester là-bas aussi. Ah la vache! Mais ils font tellement mal! Et moi je suis. Côté d'eux, moi je suis un petit. Un petit pingouin quoi. C'est tellement mal. Pourquoi moi je fais pas mal comme ça? Bon. Voilà, j'aurais essayé de faire un truc skillé, mais... Pas de skip. Bon, je me demande si je vais réussir à en tuer un quand même. Ouh! Est-ce qu'on a eu chaud? Un petit pas. Ah non, des morts! Oh putain, j'ai cru que j'avais eu shell shot. Chiant. Allez, on va se le faire. On va se le faire, on peut pas. Oh là là. Oh là 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 là, c'est terrible. Non, mais j'ai fait nawak encore. Je vais mourir. Non, pas cap. No. Ok. Bim! Motherfucker! Bim! Ok, bah on a perdu, hein, donc en même temps, faut dire que, bah ouais, hein, je suis pas encore opérationnel, j'ai pas eu le champion que j'aurais espéré, bon après c'est le principe de la RAM, c'est de jouer quelqu'un qu'on ne connaît pas, enfin, quand on débute, hein, parce que moi sur LoL, à part les 5 derniers champions, je les ai tous joués. Donc, bon, bah, hein, la RAM, pour moi, c'est pas non plus pour découvrir quoi que ce soit, hein, c'est juste pour
pour pas que ce soit monotone. Bon bah là pour le coup, je ne connais absolument pas. Je connaissais même pas la touche pour voir les sorts du coup. Bah c'était pas évident de lancer un sort en se disant tiens ça fait quoi ça, ça. Je suis sûr que ça va faire masse dégâts. Ah, ah bah non. Non non non, ça, ça soignait la grenouille plus loin là-bas. Donc bon. Ok. Alors, Kisco Junes. Très bien, donc c'est le champion par défaut qu'on joue au début, c'est l'équivalent de H. Ah merde, je crois que je me suis trompé de sort, mais enfin, je suis pas tout à fait sûr. Infecté. Ah là là, ah là là, t'as, mais, elle, il est 1v5. Et ça choque personne, il atomise tout le monde. Wouh! On a tué un mec! J'essaie désespérément de me le faire. Peut-être. Et voilà! Wouah! On est trop balèze! Et il nous a balaisé. Est-ce qu'on va se le faire? Est-ce qu'on va se le faire? Est-ce qu'on va se le faire? On va pas se le faire. What? Bah bien sûr, on est trop fort, hein. On sait pas comment, mais on est trop fort. Oh, wow! Ah ha ha ha! Ah, pow! Bon, ça devient normal, hein. Après tout. Allez! Pim! Non! Mon kill! Ah! Wouah! Oh, vache! Bah, vu les dégâts que je lui mets là. Oh. Terrible. Eh ben voilà! On les a explosés. 13-4. Ça fait un ratio d'un peu plus de 3. Bah écoutez, je suis dans le jeu, je suis niveau 5. Hein, je vous assure, j'ai vraiment pas fait beaucoup de parties. J'ai fait les didacticiels. J'ai fait une première ARAM tranquillement. Une 5v5. Une com VSIA. La partie d'avant qui a été catastrophique. Et donc celle-là. Voilà, donc ça fait... 5 véritables parties, on va dire. Rien de spécial. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, putain? Même les boobs, ils bougent. Ah, ils sont appliqués sur les boobs, hein. Ah, là, y a pas de problème, hein. Putain. Bon, bref. C'est pas mal. Bon bah écoutez, voilà, moi je vous conseille énormément ce jeu. Après, si vous avez un peu de bif à mettre, vous achetez la bêta de Paragon, parce que bon, il est payant, mais ce n'est qu'une bêta, hein. Sachez que cet été il va sortir gratuitement. Et donc bon bah, si vous avez pas de bif à mettre, achetez Smite. Donc en gros, c'est un Paragon en bien moins grand, bien moins bien fait. Alors attendez, excusez-moi, ça me gavait. Voilà, donc c'est moins bien fait, c'est moins grand. Les personnages à l'épreuve là sont ciblés exclusivement sur des dieux qui sont vrais d'ailleurs. Mais en soi, donc moi je trouve que c'est comme LOL. Donc du coup, c'est vraiment cool. Puis jouer avec une manette dans les mains, au début, c'est un peu spécial. On a l'habitude de jouer avec notre petite souris, notre petit bouton. Et puis bon, bah voilà. Mais je m'y suis assez bien habitué. Et voilà quoi, donc bon bah voilà. Bon bah du coup écoutez, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo si elle vous a plu, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, salut tout le monde, ciao, crise d'épilepsie, brrrah.